bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mes chers et tendres vierges, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de décembre 2024. Et oui, dernière vidéo de l'année, ça a passé à une allure incroyable. Tellement vite, j'ai envie de vous dire, tant mieux, vivement 2025. Hein. Allez, on est parti, je me concentre. Bien sûr, avant cela, vous savez que ça va être un tirage général, donc vraiment, vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Allez, je me concentre. On va aller tirer trois cartes avec le Rider-Waite. Et ensuite, on ira regarder avec des oracles sur le côté pro, perso. Et on finira avec le côté sentimental. Allez, je me concentre pour vous les vierges. Ce mois de décembre 2024, qu'est-ce qui se passe? Hop, on va en prendre 3. 1, 2, 3. Hop, on est parti pour les vierges. Qu'est-ce qui se passe? Ok, la tempérance. Bon, alors je pense que début décembre, ou du moins vous êtes déjà dans cette forme d'énergie, que vous êtes un petit peu en retrait. Ou du moins que vous êtes dans cette forme de réflexion. C'est comme s'il y avait, alors pour certaines personnes, peut-être un choix important qui pourrait être fait durant ce mois de décembre. Mais c'est comme s'il y avait une envie, une grande et profonde envie de reculer ou de moins, de stopper un petit peu, de prendre du recul et de réfléchir à éventuellement, pourquoi pas à un changement, pourquoi pas à faire une introspection vis-à-vis de votre vie. C'est comme si pour moi, avec cette tempérance, on voit bien hein, qu'il est indécis, il est voilà côté un petit peu lumière, côté un petit peu sombre. Est-ce que vous êtes peut-être dans une période où des fois ça va pas du tout, vous vous recroquevillez sur vous-même, des fois même vous sortez pas de chez vous parce que vous ne supportez plus la foule, vous ne supportez plus les gens également. C'est comme si ce mois de décembre allait être un mois un peu où vos énergies vont être un petit peu en dents de scie, ça va pas. Et soit parce qu'il y a une situation qui vous préoccupe ou tout simplement vous êtes en train de faire un peu une introspection de votre année 2024 pour justement essayer de voir le pour et le contre et qu'est-ce que vous pourriez éventuellement amorcé en 2025. Regardez, on a le 3 de coupe. Donc, on voit qu'il y a quand même, il y a la fête, il y a la joie, il y a, en tout cas, on va vers nos rêves, on croit en sa bonne étoile, on croit en tout cas à l'univers, tout ce qui peut se produire. On est quand même dans des couleurs un petit peu pastel, hein. On voit qu'il y a beaucoup de mauve. Donc, pour certaines personnes, il pourrait être notion, effectivement, d'avoir des intuitions, des ressentis extrêmement fins, qui vont vous permettre justement d'amorcer, pourquoi pas, quelque chose de nouveau ou du moins d'aller vers vos rêves. Et regardez, on a le 2 de coupe, c'est magnifique. Et le 2 de coupe qui, en tout cas, annonce quelque chose qui pourrait vraiment vous faire plaisir durant ce mois de décembre. Donc, pourquoi pas une association, pourquoi pas une concrétisation sentimentale lors d'une soirée, lors d'une invitation, ou pour certaines personnes, peut-être justement, ce mois de décembre va être une opportunité de faire un choix judicieux, pourquoi pas, par rapport à une relation sentimentale. Ok, peut-être que vous êtes indécise, indécise, ou tout simplement qu'il y a peut-être deux personnes autour de vous et que vous ne savez pas laquelle choisir. Ça, c'est fort possible également. Mais c'est comme si on allait vraiment en 2025 être main dans la main, se projeter vers le futur et en tout cas croire en les possibles, en tout ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Donc vraiment, c'est plutôt pas mal parce qu'avec ce 3 de coupe, on voit qu'il y a vraiment la joie, la fête, l'innocence également, le partage, la notion vraiment de je m'associe ou du moins je fais confiance aux personnes qui m'entourent pour pouvoir réaliser quelque chose d'extrêmement important. D'accord? Je ne serais pas étonnée qu'il y ait besoin de faire également une forme un petit peu de nettoyage hein, autour de vous. Allez, on est parti. Regardez, en plus, les deux cartes qui sortent, le consultant et la chance. Donc déjà, niveau pro, niveau général, ça sent plutôt pas mal. Hop, allez, on est parti. Je me concentre pour vous, les vierges. L'harmonie. Ouais. Ça va être un mois, je pense, effectivement, où vous allez... Ouais, regardez, vous avez l'évolution. Magnifique. Magnifique. On voit le retour. Ok. On voit le triangulaire. Incroyable. Bon. Bah oui, on pourrait parler effectivement d'une relation triangulaire hein, ou du moins des choix importants. Regardez, il y a l'amour. Mais je veux sur le général et sur le pro, là, les amis. Là.
Hop, donc effectivement, ça ressort quand même. Hein. Réconciliation, et regardez ce que nous avons quand même. Hein. Donc, pour moi, ça va être quelque chose qui va être fait main dans la main. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous travaillez avec votre hôte, hein, ou tout simplement, vous travaillez avec cette relation sentimentale que vous avez commencée éventuellement. D'accord ? Allez, on est parti pour les vierges, s'il vous plaît. Hop. On est dans une forme de zone de confort, sincérité. Ok. Maison, ouais. Et message. Ok. On a le printemps, le oui, et la certitude et la rapidité. Bon, mes vierges, j'ai envie de vous dire, là, il va y avoir, durant ce mois de décembre, effectivement, une phase où vous allez vous poser 36 000 questions. Ça peut être très bien dans le cadre sentimental, éventuellement. Et on pourrait parler, pourquoi pas, dans le cadre professionnel, parce que vous avez éventuellement une profession qui vous anime, qui vous fait vibrer, ok ? Mais que peut-être durant ce mois de décembre, on va vous demander un petit peu de sortir, pourquoi pas, de cette zone de confort pour aller vers du nouveau, vers de la nouveauté, vers une évolution. Alors, est-ce que certaines personnes travaillent à partir de chez elles ? Pourquoi pas ? Ou tout simplement que vous êtes en lien avec tout ce qui est immobilier, tout ce qui est un petit peu investissement, pourquoi pas. C'est comme si durant ce mois de décembre, vous alliez en fait vous rendre compte ou vous apercevoir qu'il va y avoir des décisions très importantes à prendre, d'accord ? Et des décisions faites avec sincérité et non par obligation, ok ? Alors attendez-vous à ce que vous vous posiez 36 000 questions, effectivement. Mais que peut-être, par le biais de ce message qui va venir à vous, vous allez amorcer quelque chose, ou du moins que ça va être un peu l'élément déclencheur pour prendre des décisions extrêmement bénéfiques et importantes pour votre futur. Ok ? Donc, on peut très bien parler sentimentalement, que soit vous travaillez peut-être dans une structure familiale, et que ce mois de décembre va être un mois où vous allez, éventuellement, pour certaines personnes, avoir cette... avoir une envie peut-être de retrouver l'équilibre. C'est peut-être un petit peu confus en ce moment, ou du moins qu'on vous demande pas mal de choses et que c'est plus du tout en harmonisation avec ce que vous avez vraiment envie. D'accord ? Pour d'autres personnes, peut-être que vous avez un travail à domicile, hein, que vous travaillez de chez vous, peut-être en télétravail, je ne sais pas. Mais c'est comme si... préparez-vous à ce qui est un petit peu cette forme de clarification, comme si ce nuage qui était au-dessus de votre tête allait se dissiper et tout va s'éclaircir du jour au lendemain, ok ? Oui, ce tirage parle également du sentimental, ok ? Donc soit il y a quelqu'un de votre passé qui revient, soit éventuellement vous êtes dans une relation triangulaire et que vous n'avez plus de nouvelles de la personne avec qui vous êtes en ce moment et que celle-ci va vous envoyer un message quand vous êtes chez vous et qu'on parle de réconciliation, on voit que c'est un amour quand même basé sur beaucoup de sincérité, beaucoup de fidélité entre parenthèses bien évidemment, mais c'est quelque chose qui vous est tombé dessus, vous ne vous attendiez pas forcément, ok ? Peut-être que c'est une relation même qui dure depuis le printemps dernier, on vous dit oui avec certitude que cette personne revient dans votre vie et assez rapidement, d'accord ? Est-ce qu'il va y avoir un choix justement par la suite qui va devoir être fait parce que cette situation vous pèse et que vous n'en pouvez plus ? On vous dit de retrouver quand même cette forme d'harmonie, cette forme un petit peu de « je me sens pas coupable, je me remets en question, mais pour mon bien-être personnel, ok ? Pas pour le bien-être de la personne qui se trouve en face de moi. D'accord, mes vierges ? Ok. Et professionnellement, j'ai envie de vous dire, pour les personnes en tout cas qui sont en travail, ou dans une forme de travail, on voit où vous êtes bien, ou là où vous êtes. C'est quelque chose qui vous plaît. Vous avez votre petite routine, et ça vous convient parfaitement. Peut-être même qu'il pourrait y avoir des invitations, il pourrait y avoir des sorties entre collègues, pourquoi pas durant ce mois de décembre. Mais pour moi, c'est comme s'il allait vraiment avoir une forme un petit peu d'avoir envie d'amorcer quelque chose de nouveau. Ouais, pourquoi pas. Ok ? Bon, on va aller voir maintenant sur le côté sentimental. Hop ! Le chéri d'Andre Vierge, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, on a quand même eu, on va pas se le cacher,
les prémices. Hein. Déjà, depuis le Rider-Waite, hein, qu'on sent qu'il y a quelque chose quand même qui a besoin, enfin, en tout cas, il y a un message très important qui a besoin d'être délivré. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les Vierges, niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît, pour les Vierges, qu'est-ce qui se passe sentimentalement? On est parti. On voit le labyrinthe. Et ouais. Ouais, on a l'impression que vous êtes perdu, ou du moins que vous êtes bloqué. Vous savez pas. Vous savez pas du tout. On parle de solitude et on parle de guérison. Vous êtes bien et en même temps vous n'êtes pas bien. Et je serais pas étonnée, oui, qu'effectivement, il y a besoin. Regarde, on ressort l'harmonie quand même. Hein. Il y a besoin de se libérer de quelque chose. C'était une évidence, ouais. Je serais pas étonnée qu'il y ait une rencontre, ou du moins que vous côtoyez quelqu'un depuis un petit moment. Alors que peut-être que vous êtes déjà en couple. Hein. On voit une opportunité. On parle de pardon. Ok. On parle du consultant. La consultante. Ok. On parle de l'oiseau. De la destinée. Incroyable. Ouais. Et on parle d'une annonce. Bon. Ouais, comme je l'ai dit, pour moi, il y aura vraiment ce mois de décembre va être important. Souffrance, enfant. Enfin, séparation, passer à autre chose. Bon. Pour les personnes, effectivement, qui sont dans ce cas de figure, qui ont peut-être rencontré quelqu'un alors qu'elles sont déjà en couple, je pense que ce mois de décembre va être important pour vous parce que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, de l'ordre dans votre tête également, et de prendre une décision très importante pour vous et pour surtout votre bien-être personnel. D'accord ? On voit bien que vous êtes dans cette forme de labyrinthe, que vous ne savez pas. Vous êtes un peu perdu, vous êtes bloqué même, mais que cette relation, c'était une évidence. C'est peut-être quelque chose qui est arrivé à vous, sans pour autant vous y attendre, sans pour autant espérer, ou du moins, on me dit, c'est pas possible. Ok. Et qu'on vous dit bien, de toute façon, que y a quelque chose qui est voué déjà à aller vers un avancement, vers ce changement, vers ce départ, vers quelque chose de vraiment... vers un avenir des plus propices. On vous dit qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités qui pourront être faites avec cette personne-là. Mais avant, il va falloir peut-être essayer de, on va dire, de trouver des arrangements, ou tout simplement par rapport à votre vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Pas de se faire pardonner, je dirais ça, mais d'expliquer les choses. Pour que la personne d'en face comprenne pourquoi vous avez agi ainsi, pourquoi ça s'est passé comme ça, ok. Et on vous dit bien de toute façon qu'il va y avoir des aveux, qu'il va y avoir une révélation qui va être faite durant ce mois de décembre, ou que vous, vous allez justement provoquer cette annonce, d'accord. Donc je ne serais pas étonnée hein, pour certaines personnes qui aient un petit peu ce mois de décembre, si vous êtes en couple, ou du moins que vous êtes avec une personne et que vous avez rencontré une autre, qui ait cette forme de changement, qui ait cette forme d'ouverture, besoin de se libérer du poids, de se libérer de quelque chose également. Ok. Pour vous, pour votre bien-être, hein, surtout qu'on soit bien d'accord, parce qu'on voit quand même qu'il y a une forme de souffrance, hein, on voit que c'est douloureux, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour vous d'être dans cette situation un petit peu inconfortable, on va pas se le cacher. Pour les personnes qui sont célibataires, je parlerai que là, pourrait y avoir une rencontre, effectivement. Une envie, en tout cas, de rencontrer quelqu'un, après peut-être des moments vraiment un peu de où vous avez vécu... Hein, en solitaire, vous avez eu besoin éventuellement de vous replier. On vous dit que de toute façon, le changement va être fait parce que c'est vous qui allez le provoquer. D'accord ? Je ne serais pas étonnée qu'éventuellement, il y ait peut-être une rencontre qui se fasse. Des possibles. Ouais, des possibilités durant ce mois de décembre. Mais vous allez y aller mollo. Vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas forcément faire les choses radicalement. Vous allez être plutôt dans cette, on va dire, dans cette énergie où, voilà, j'apprends à connaître, je me fais pas de plan sur la comète, je laisse les choses se faire en bonne et due forme, ok, je prends mon, je dirais pas mon mal en patience, mais j'amorce le changement, j'amorce cette, on va dire, indépendance, cette autonomie, et je laisse les choses se faire. Donc je serais pas étonnée qu'effectivement, pourquoi pas, il y ait une rencontre qui se fasse durant ce mois de décembre, hein, ok. Bon, on va aller voir avec The Power of Love pour vous, les Vierges, qu'est-ce qui se passe?
Allez, un petit message pour les vierges avec le Power of Love, s'il vous plaît. Ouais, on parle de conflit, ok. On parle de l'ange de l'amour, il y a la protection. Et on parle de routine. Qu'est-ce qu'on a avec cette routine? On a la sincérité, ok. Et en dos de deck, on a les invitations, la rupture et la jalousie. Ouais, il va y avoir quelque chose qui va s'amorcer là pour vous les vierges. Durant ce mois de décembre, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui voit le jour, ou du moins que vous amorciez un petit peu ce changement, vous amorciez besoin de déterrer, besoin de parler, besoin d'extérioriser ce que vous gardez peut-être depuis plusieurs mois, depuis un petit moment, et que là c'est le moment pour vous de lâcher ce que vous avez à lâcher au niveau sentimental. Je parle bien aux personnes qui sont en couple, hein, qu'on soit d'accord, hein, ok. Mais c'est comme s'il y avait vraiment une forte... un fort besoin vraiment d'être dans cette sincérité, dans cette j'ai besoin de dire les choses, je ne peux plus garder ça pour moi, c'est plus possible, c'est plus jouable, je n'arrive plus à vivre, je n'arrive plus à penser à autre chose, et j'ai besoin de me sentir bien moi aussi, de ne plus être dans cette forme de tristesse, ok. Pour d'autres, hein, peut-être qu'éventuellement, si ça vous parle pas cette situation, attendez-vous à ce qu'il y ait un petit peu de bise-bise avec votre hôte, hein, durant le mois de décembre, ok. Vous serez peut-être pas forcément d'accord, peut-être pour les tâches routinière, ou tout simplement que vous allez trouver qu'il y a quelque chose qui manque, ou du moins que votre hôte vous lègue tout au quotidien. Ça, c'est fort possible également. Et pour les personnes qui sont célibataires, attendez-vous à pourquoi pas avoir des invitations durant ce mois de décembre. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chères et tendres vierges. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous souhaite en tout cas d'excellentes fêtes de fin d'année. Surtout, prenez bien soin de vous. Kiffez, profitez de votre famille. Et puis, on se retrouve en 2025. Bye bye.